Hey hey, salut tout le monde, c'est Mental ici. Aujourd'hui, amis, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur Final Fantasy 13. J'espère que vous allez bien, les amis. Moi, je pète le feu. Et donc, c'est parti pour ce donc 47e épisode. Mon dieu, je pense que ça va être le let's play le plus long que j'ai jamais fait. Alors, est-ce que c'est loin? Oerba, sable cendré. Ah non, cendré. Oh, je pensais que c'était de la neige. Pas descendre. Il est bourré. Il s'est avancé que tout droit en fait. Il a pas compris qu'il pouvait tourner aussi. Ah ouais, c'est pas bon d'être un sieuf. Après on perd toute son intelligence, c'est pas terrible. Oh là 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 là. Allez, au revoir. Dieu, qu'ils sont bêtes. On peut pas monter sur cette petite dune. Non, on peut pas monter sur cette petite dune. Attention, vas-y, regarde-moi. Oh là là, c'est parti pour aller tout droit. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est la ruine un peu au Herba. Ouais, beaucoup trop à mon avis. Esquive. Wow, t'es grand toi, non? Ici, y a un coffre. Ouais, c'était évident. Bonjour, je viens de dépouiller votre ville. Ah, un perovskite, c'est cool ça. Pour continuer à upgrade mes armes. Salut. Alors, on va voir ça. Dites-moi qui est dans le coin. Oui, bah oui. Ok, il est sur le chemin. Esquive. Alors. Which is your house? What do you mean, which is ours? All of them. They're all ours. Yep, everyone in the village live together. One big happy family? One heck of a lot of places to hang your hat. So, you want to take a look around? We'd better. Gotta find something to help us lose these brands. That's not the only reason we're here. You're finally home. Make the most of it. Mais alors, comment on fait pour aller derrière? Ok, faut faire tout le tour et ok. Ok, ok. Bon, on va essayer de voir s'il y a moyen de rentrer dans les maisons. Non, oh, je m'attendais à trouver un. Attendez, wait what? Non, dégage Feng. Pas de coffre. Explorer les maisons ne sert donc à rien. D'accord. Ok. Oui, je me suis concentré parce que je voulais pas me faire aggro. Certes, ce sont des nouveaux mobs, mais j'ai pas forcément envie de faire connaissance avec eux. Pas de coffre en bas non plus. Mais attends, mais c'est quoi ce délire? Mais elle est vraiment toute pauvre cette zone. Vous, je vous connais. Oui, je te connais toi, ouais. Allez. Multi-cible. Ah, qui va prendre cher? Ah, c'est Light. Ok. Voilà, nice. Vas-y, alors là, Feng, elle va faire ce qu'elle veut de toi. Feng. Ok. Feng était assez longue à réagir. Hein.
Allez. Montez-moi sa joue de choc là, un peu, bougez-vous. Qu'on en finisse vite. Ok, c'est Hope qui l'encaisse. Ok, quand il y a sa barrière, on peut vraiment pas le toucher. Allez. Voilà. On se soigne bien. Hop. Voilà. Donc à l'assaut. Par contre, perds ton bouclier s'il te plaît, je l'aime pas. J'aime pas du tout. D'ailleurs, c'est abusé, pourquoi les ennemis peuvent avoir un bouclier comme ça qui les protège complètement des dégâts physiques et que moi je peux pas, hein? Pourquoi le jeu il cheat? Allez, voilà, merci. Cassage de bouclier. Ouais, d'accord, ok. Vas-y, tu peux faire ton multi-cible, on s'en fout. On l'encaisse, nous on est des dingues. Allez, achevez-le. Nice. Bon, allez. Donc, dites-moi qu'il y a un coffre, sinon je vais être un peu grudu d'avoir fait ce combat pour rien. J'entends un coffre, mais je sais pas où il est. Il y a un truc à voir là, non? Ok, c'était ça. Friend of yours? Yeah. You're okay. I was worried. Huh? He wanted to say goodbye. He's not ready for the scrap heap just yet. Bit worse for wear, yeah. Nothing I can't fix. Just need to track us down some parts. Oh, je sais que posons ça à besoin de l'ami mécanique des vanilles. Ouais, d'accord, comment je sais qu'un truc est utile? Ouais, bof. Pas trop chaud pour récupérer les... Ah, tout est indiqué. Alors dans ce cas, ouais, c'est peut-être... Wow, ok, d'accord, faut vous défoncer. On va attendre un instant. Ah non, mais ça veut dire... Oh là là, bon, je ferai ça en off. J'ai pas envie de faire ça en vidéo, on va pas avancer, et moi je veux avancer. Par contre, ouais, très étonné aussi de pas... Oh non, si, si, là je vous défonce. Très très étonné aussi, et pas en bien, de constater que... j'ai pas eu le... J'ai pas eu la... Le nouveau stade d'évolution. Ok, juste une victime. Ah, vampire. Ça j'aime bien les affronter. Donc ouais, bon je sais pas, je m'attendais à gagner le stade d'évolution. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un boss sous peu. Hein. Enfin, ça fait quand même un sacré moment. Peut-être dans le village, remarquez. On va peut-être trouver un mec qui aime pas les LC. Oh mon dieu, c'est Vanille et Fang, vous avez détruit le monde, je vous en veux, mourrez. Tu vas nous sortir une machine de la mort et D'ailleurs, question qui s'est pas encore posée, mais comment on va faire pour retourner sur Cocoon? Enfin, je veux dire, on est sur Pulse là quand même un peu. On va trouver un vaisseau? C'est-à-dire qu'on pourra se déplacer comme on veut après?
Ce serait cool ça en vrai. Allez go. Tu peux gémir on est trop loin pour t'entendre hein. Ouais. Coup surprise. Prends ça. Ah il va frapper, il va frapper. Aïe, fang. Voilà, coffre. À moi la richesse. La Evatitain, ok. Ah, ici y a un truc à examiner. Ouais, ok. D'accord. Que des bonnes nouvelles, vous inquiétez pas. Bon. Alors. Pas de coffre ici. Pas de coffre là. Ah, ma cible est là. D'accord. OMG. Ouais, alors. Ouais, alors là, j'aurais été carrément plus fan des gros sorts de zone. Ouais, voilà, genre comme ça. Voilà. À peu près comme ça. Allez, voilà. On était un peu mal l'espace d'un instant, mais ça va mieux. Voilà. Voilà. Bon, nickel. J'ai eu peur, je me suis dit, il va peut-être falloir que j'invoque Truffy New, mais au final, même pas besoin. Allez, go. À l'assaut. Voilà, et encore un. Il en reste combien? 3? Plus que 2. Il en reste encore un. Bon, bah voilà, combat pas trop compliqué. Et en plus, on a débloqué un téléporteur. Si ça, c'est pas cool. Quatre fluides étranges, ok. Et donc, on obtient, attention, un gant géant, ok. On va regarder ce que ça fait. Accessoire. Faiblesse. Un peu du caca. Hop. Ok. Bonjour, est-ce que vous me voyez? Voilà, je suis par là. Voilà, merci. Non, parce que bon. Pas me taper tous les combats du monde non plus hein. Voilà. Ouais. Il y a juste rien. Par là il y a moyen de monter apparemment. Ouais tiens, une petite sauvegarde, c'est gratuit, ça fait plaisir. Ça mange pas de pain. On a 47 épisodes quoi, mon dieu. Ça en fait beaucoup quand même, ça en fait un sacré paquet, tout simplement. Je suis pas sûr de les gérer, hein, donc... Et pourtant j'ai le cristarium au max. Hein. Alors où est-ce qu'on va là? On est où là? Y a moyen de voir. Bon. Ah, à gauche, j'ai vu un coffre. On va le récupérer rapido. Ah, y'a même peut-être une pièce métallique pour le robot là. Boucle pyrofuge, ok.
Ok, plaque de métal. Sympa. Bon. Bah affrontons les mains. Les fouilleurs. Ça fait mal un fouilleur. Ouais, d'accord. Ça a aucune résistance, mais Wow, OMG quoi. Non, 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 tu miasmes que dalle. Bon, d'accord, t'as miasmé Hope. C'est pas grave. C'est pas une grande perte. Bon. Ici, il y a un coffre, donc c'est-à-dire qu'il faudra l'affronter. Nope. On va essayer de le prendre dans le dos. Non, mais genre, quoi, ninja, va. Eh ben, bah c'est reparti pour un combat de trois plombes. Allez, il a multi-cible lightning, c'est sympa ça. Allez. Là, je suis en train de me dire, si on fait ça, ça devrait pas améliorer le truc. Voilà. Voilà. Allez. Pourquoi tu ne fais pas un truc pour qu'on se prenne pas les dégâts d'eau là, hein? Ah, il a perdu toute sa jauge. Forcément, t'as pas bossé. Ah bah bravo. Ah bah merci beaucoup Feng, hein. C'est très sympa de ta part. On va juste solliciter deux secondes, histoire de... Voilà. Allez go. Allez. Le but c'est de le défoncer le plus rapidement possible. Allez, meurs. Allez. Ah, on va peut-être réussir à le tuer en fait. Allez, s'il vous plaît, défoncez-le. Voilà. Voilà. Ouais, parce que j'aimerais bien être buffé à fond. C'est bon, j'ai tous les buffs à fond. Allez go, à l'assaut. Forcément, Feng a absolument pas fait son boulot. Allez. Et en fait, je crois que c'est lui qui nous débuffe. L'arme de remords. Il va vraiment falloir que je fasse de la vente, moi. Allez, c'est quasiment la fin. J'espère que le coffre en vaut la chandelle. Non, évidemment, j'en ai pas parlé, mais je présume bien évidemment que tous les gens qu'on voit là. Ok. Nice. Il n'y a pas un point de sauvegarde dans le coin? Non, dommage. Trop loin. Dommage, dommage, dommage. Bon, bah voilà. On va avoir une upgrade d'armes, ça y est. Donc ouais, donc il est évident que je présume que tous les siestes qu'on voit là, ce sont les gens qui habitaient à Auerba avant. Ça paraît tout à fait logique en fait.
Je ne fais qu'avancer, faites pas attention à moi. Voilà. Donc ouais, le combat valait carrément le coup, hein, parce que là, l'objet qu'on vient de récupérer, c'est l'arme finale de notre ami Fang. Ici, il y a un coffre, on va le récupérer, puis ensuite on va faire une légère modification du stuff. Non, non, j'ai dit quoi? D'abord le coffre. Et ensuite la modification du stuff. Alors, boutique. Voilà, vendre. Donc tout ça faut garder. Arme, ça je peux vendre. Ça je peux vendre. Voilà. Pardon. Accessoires. Voilà. Ah, nice. x2. Non. Alors, ouais, ça, au final, j'en ai rien à faire. Non. Non. Ça, c'est cool, par contre, donc je garde. Oh, 3 FV, 4 FV sont bas. Bof. Voilà, ça. J'en vois un. Oui, ça je pourrais en vendre un en soi. Ouais, bof. Voilà. Bon. Ah, non, et vendre et les matériaux. Je suis sûr que j'ai plein de matériaux à vendre. Alors, os brisé, on vend. Os antique, on vend. Voilà. En fait, en soi, tout ce qui va pas me servir pour upgrade, quoi. Voilà. Extrêmement douce à l'intérieur. Bah, rip. Alors, ça, je garde, je sais toujours pas à quoi ça peut servir. Vu comment c'est bizarre à récupérer, je présume que c'est une utilité. Ouais, ça se vend bien, c'est cool. Ça aussi, ça se vend bien, c'est cool. Ça se vend super bien, c'est cool. Ça, je garde. Ça a l'air d'être rare. Une fois de l'air marchande. Ok, donc ça sert juste à être vendu. Ça, c'est un peu du caca. Cendre bombo, on s'en fout. Âme de bombo, ça se vend bien. Circuit analogique, ça se vend. Oui, ça se vend. Biosenseur, ça se vend. Ça, je vends aussi. Solénoïde, est-ce que ça fait partie de la liste? Non. Je vends aussi. Conducteur parfait. Ça en fait pas partie. Bon, bah. Accélérateur à particules, ça en fait partie, hein. Ouais, ouais, ça en fait partie. Millérite, je garde. Bien évidemment, ta. Voilà. Peut-être vendre du. Non, bon. Écoutez, on va garder. Donc, acheter. Ouais, accélérateur à particules, on va en acheter. Voilà, ça. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, on va. Ah, j'ai oublié d'acheter un truc. Menu morceau. On va acheter des os épais. Voilà. Donc. Modification. Améliorer arme. Lance de Nimrod. Donc on commence par les 36 OEP. Voilà.
96 000, ça risque d'être un peu beaucoup. Voilà, 3 c'est largement suffisant. Et ensuite, comment je fais pour t'upgrade? Hop. Voilà, ça marche comme ça. La lance de Nimrod. Alors, pour l'upgrade. Ouais. Ouais, alors, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est comment l'upgrade. Ok, voilà. Ok, uraninite. Donc ça j'en ai pas. Donc faut acheter de l'uraninite. Donc boutique, ça doit être dans Garage Nora. Non. Filon miraculeux. Uraninite. 45 000, aïe. Mais bon, c'est carrément une arme qui vaut le coup apparemment, donc... Boutique, non, c'est pas dans que d'aller. Modification, améliorer. Donc, uraninite. Évangile de Vénus, yes. Et donc là, multiplicateur, il en a pas, donc on va lui donner 36 OEP. Voilà. On va lui donner 2 réacteurs ultra compacts. Et 5. Hi. Fail. Il reste combien? 7. Ouais, on va donner tous les OEP. Voilà. Et 67 000, ouais. On va dire que c'est bon. Nice. Voilà. Et donc maintenant, on l'équipe. Équipement, hop. Voilà. Ah, c'est cool ça. Ah oui. Ah, c'est super cool. Voilà. Bon, maintenant on est craqué, on peut continuer. On est loin derrière l'objectif. Non, juste à côté, nickel. Ragnarok. Come day of wrath, O pulse the sea. Embrace thy fate, thine home to burn. That fallen souls might bear our plea to hasten the divine's return. O piteous wanderer, Ragnarok. Make of this day a brave epoch. Deliver the divine. Ragnarok. What? Sarah. How did you... I was waiting for you to open your eyes. All the time I was asleep, I knew what was happening. I kept trying to think up a way to save Cocoon. Together. Sarah. Huh. You get it now. There are no gods with miracles to save us. No matter where you look. That's why we have to call one. Destroy Orphan. We'll save the world. Stop it! You can't do that. You love me too much. You do, don't you, Claire? Enough already! Listen up. We are all shooting for the same goal here.
And the result of that is this. You son of a... You betray your foul sea to chase after dreams and shadows. The world you claim to wish to protect now faces the end of days, with no hope of salvation. I didn't think foul sea had the means. Oh, it won't be foul sea who destroy her. For centuries now, Cocoon has provided generously for its human inhabitants every want and need. Coddled them, one might even say. The result being their deep-seated fear and hatred of change and all things alien. Fed, nurtured, and ready to detonate at the slightest spark. The seeds of destruction take root, even now. What did you do to Cocoon? I resigned, appointing Reigns as Primarch in my stead. Reigns? He's alive? The puppet is restrung to serve my needs, yes. Its eyes had long since turned to glass. Of course, the cavalry's eyes will see our friend as nothing more than a traitor to their cause. They'll say the foul sea got to him too, or some such drivel. And imagine, when I spread word that it's Orphan tugging at his strings, what happens next? What? You're gonna use the cavalry to take the thing out? Perhaps. Or perhaps I'll feign the howling of Pulsian wolves and let the fear-addled sheep slaughter themselves first. Either way, the end is at hand. But what of yourselves? Will you enjoy the festivities beside me? Or perhaps... greet the end here, in the land where it all began? Ok, c'est pas la première fois qu'on t'affronte toi. Donc on se met directement en solidité, on veut ce buff. Toujours les mêmes stats. Putain non, il a changé. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on sait sur toi? Que tu résistes à tout. Voilà. Vas-y, buff mou, hope. Voilà. Il manque des buffs là. Hein. On pourrait avoir des buffs d'attaque s'il te plaît. Voilà, merci. Voilà, et pour Light peut-être aussi. À l'assaut. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais il triche, il se planque. Malédiction 2, non, pas d'accord. Aïe, bon d'accord. Choc. Nice. Ne cherche pas, ça t'empêchera pas de prendre super cher. Hein. Ok, en fait, on est protégé des. De tout ce qui est malédiction, etc. Normalement. Bon, Hope qui peut plus attaquer au corps à corps, ça tombe bien. J'ai jamais vu attaquer une seule fois au corps à corps. En plus, ça tombe bien, donc le nouveau stuff de Vanille qui va nous aider. Oh là là. Alors qui va être Staz? Faudrait pas que ce soit Light. Ouais, on va essayer de continuer à taper. Pas le choix. Hop. Voilà. Allez, on retourne à la survie. Voilà.
Oui, bon. Bartendelus, t'es chiant, hein. Mais ouais, par contre, tu... Faveur divine. Ah, cool, on va avoir une faveur divine. On va pouvoir demander tout ce qu'on veut. Ok. On passe en fluidité. On prend beaucoup trop cher. Ouais, faut l'empêcher d'attaquer parce que là, il spam trop. Apoptose. Ok, il nous a tout viré, donc allez. S'il te plaît, Hope, grouille. Hope, s'il te plaît, fais ton taf. Voilà. C'est bon, j'ai pas besoin de tant de soins quand même, faut pas déconner. Voilà. C'est bon, il... Non, il continue. Bon, on y va, j'en ai marre. Il n'y avait pas de résistance, pas de faiblesse, non, juste des résistances à tous les éléments. Ce qui fait que c'est encore une fois Feng qui va faire tout le boulot. J'ai compris. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Oh, s'il te plaît, il light. D'accord, il veut pas. Bon, tant pis. Go. Voilà. Bon, on va te remettre en tachoc. Je sais depuis terre, on t'a pas trop choqué, mais à un moment où il faut quoi. Nice. Ouais, alors le problème c'est que si forcément. Oh non, mais tu triches. Il se débuffe tout le temps. Ouais, par contre, ouais. Stase 2. Ouais, vas-y, qui se prend la stase 2. Ok, super. Voilà. Voilà. Bon, ah, par contre, il faut à côté que tu bosses, Feng, quoi, parce que c'est bon. Allez! Faites les buffs. C'était un fail. Bon, c'est bon. Donc on soigne un bon coup. On y va maintenant. On le descend très lentement mais sûrement. Hein, c'est Stase 2, super. C'est bon, je peux attaquer, c'est cool. Tu sais, j'ai remarqué que Hope nous avait pas mis le buff de... Ah yes, rechoqué. Apoptose. Bah ça va, il va juste debuff. Ah, il debuff tout le monde, bah oui, je suis bête. Bah en même temps, c'est vrai que si on était buffé, en plus on lui ferait des dégâts monstrueux quoi.
Allez, go. Allez. On aura attaqué au maximum, c'est cool. Voilà. Voilà. À l'assaut. Putain, mon dieu, mais ce qu'on lui fait en dégâts, c'est juste lolilol quoi. Enfin, je veux dire. Il a juste trop de PV. On s'en est même pas drôle. Allez. Allez. Voilà. À l'assaut. Nice. Bon, on lui inflige des gros dégâts. Autant que ça, qu'il a fait son apoptose de toute façon. Ouais. Allez. Ouais, Hope, tu tiens encore un petit peu, s'il te plaît. Tu tiens encore un petit peu, Hope. C'est un ordre. Ah. Ok, j'ai compris. Voilà. Vite. Chacun se soigne de son côté, c'est cool. Bon. Il a combien? 502 000. Bon, c'est faisable. Hein. Bon, soin de, un soin 2 qui a été cancel, mais c'est pas grave. Allez, go! On va tout défoncer, wesh! Pour la fin, on pourrait limite invoquer, quoi. On le fait? C'est vrai qu'on invoque pas souvent, quoi. Bon, allez. Prochaine fois qu'il faut se soigner, à la place, j'invoque. Voilà, on va faire comme ça. Comme ça, en plus, vu que pour rappel, les persos quand ils reviennent, ils sont totalement heal. Enfin, totalement soignés. Enfin, bon, je dis ça, mais bon, s'il faut, il va mourir avant. Quand je pense qu'en une patate, je serais capable de tuer mes persos, quoi. Allez, go! Let's go. Voilà. Bon bah meurs. Tu nous résisteras pas, nous sommes deux. Oui, je sais, j'abuse et je l'envoie maintenant, mais... Juste because YOLO quoi. Ouais, alors ça par contre on connaît. Alors ouais bah écoute, on va faire ça. Voilà. Oh, j'adore cette attaque. Non, c'est clairement celle-là hein, qui fait plus de dégâts. Il te reste combien?
toujours est-il que... Ah, si on pouvait lâcher avec Zanzokokulu là, ce serait cool. Allez-y, faites qu'on lâche avec Zanzokokulu. On l'a pas lâché avec Zanzokokulu. Si on lâche avec Zanzokokulu. Nice. 100 000, oh pas mal. Vaveur divine et un furtif, très important. Nouveau stade d'évolution et ça, c'est cool les gens. The time has come. Allow me to extend my invitation. To save a people beyond salvation, there is only Ragnarok. Cocoon suffers. Release her from the pain. So, this is the end of the rainbow, huh? Well, here's hoping the pot's full of tips on dealing with crackpot Falsi. You know, I don't remember this being here before. I guess it's new, huh? Yeah, must be. I suppose it might be a record of what happened. You know, after we turned to crystal. Where the slaves of Lindsay dwell is the enemy of all life fostered by Pulse's sacred hand. So Al-Falsi determined Pulse's will, chose Lissi, and gave them a focus. Become Ragnarok and bring about the end of Cocoon. And so the beast arose, defeated Lindsay's hateful Falsi, and prepared to tear Cocoon apart. But her providence betrayed Al-Lissi, draining Ragnarok of strength. Their focus only half complete, the Lissi were taken to the enemy's land by Bartandalus, curse his name. And the goddess said, Lissi who rest upon Cocoon will reawaken, however long they may wait. And Ragnarok will rise again to tear the land from its seat in the sky. Her word is absolute. Guess the jig is up. Cocoon's done for, isn't it? Yeah, you don't sweat it. If we go ahead and smash Cocoon, you know some make is sure to roll up and save the day. As long as Falsi are around, this fight is never gonna end. So let's finish it. Let's get Dysley. So what do we do about Orphan? We help Orphan. What else can we do? If we can manage to keep it safe, another war breaks out somewhere down the road. We're Lissi. It's not like we can make people stop fighting. Lightning, you told me on Cocoon. It's not a question of can or can't. We just do it. That's our only choice this time. Maybe it won't do much. Maybe only one person will listen to us. But even then, isn't trying better than doing nothing? Because ripples can make waves. Okay, kids have gone crazy. Revolutionaries always get cold crazy.
When I was on Cocoon, I wished on those fireworks. I wished to not let anything happen to Cocoon this time. But I shouldn't have wished for that. Wishes aren't enough. Prayers either. This time I'm making a promise. I will keep Cocoon safe. I promise, no matter what. I guess it takes losing everything to make you see how much you have to fight for. Huh. And we're the only ones who can do it, right? Right. Yep. All right then. Let's tie up loose ends. Okay. Right. All right. Yeah. Nice. Bon, et... Oh bah c'est cassé. Bon bah écoutez, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. Il n'y avait pas une sauvegarde dans le coin. Si, juste là. Donc écoutez, donc on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Moi pour l'instant, je vais avancer un tout petit peu sur le Crystallarium. Essayer de voir aussi si je peux pas continuer dans les quêtes. Et bah écoutez, ensuite on se retrouvera donc très bientôt pour la suite de nos aventures. Quelle heure il est que je sache à peu près sur quelle sauvegarde je suis censé aller. Oui, c'est bon, c'est celle-là. Voilà. Nice. Ouais, voilà. Donc, salut tout le monde.